Mais dernier élément que je voulais vous soumettre, monsieur Collignon, c'est la raison pour laquelle, à mon avis, à l'avis de notre groupe, en fait, il y a bien un empêchement à ce que vous soyez ministre. Parce que vous n'êtes pas seulement ministre du logement, enfin, vous êtes aussi ministre de la transparence administrative au niveau notamment des pouvoirs locaux. C'est vous qui garantissez finalement cette transparence administrative. Et le constat, c'est que comme bourgmestre, c'est pas ce que vous faites. Comme bourgmestre, vous êtes l'objet de plusieurs décisions de la CADA. Je vous rappelle que monsieur Collignon n'est plus bourgmestre. Et alors puisque vous êtes tellement attentif aux respects légaux, puisque vous avez commencé votre intervention là-dessus, monsieur Collignon, à l'instant, est ministre. Il n'a aucune compétence tant que le gouvernement n'a pas réparti les compétences en son sein. Et donc, vous vous adressez... Vous vous adressez à quelqu'un dont vous ne savez pas quelles compétences il aura. Je vois que monsieur le vice-président veut la parole. Je vais lui donner donc un instant, puis je vous donnerai la parole pour terminer, bien entendu. Je me disais, mais on est dans la chanson de Dalida. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Je ne veux plus de parvenus. Je les traquerai moi-même. J'en ai marre des parvenus. Il n'y a pas de place pour les parvenus au Parti Socialiste. Puis-je terminer avant que monsieur... Vous pouvez terminer, comme ça, ça permettra au vice-président voilà. De... Comme ça, il pourra badger, tout à son aise. Son micro. Donc, voilà. Donc, j'entends ce que vous dites, monsieur Marcourt, mais les faits sont les faits. Donc, formellement, vous avez évidemment raison. Mais les faits, c'est que monsieur Collignon, ici présent, était jusqu'il y a peu, si vous voulez, bourgmestre d'une commune qui fait l'objet de décisions, notamment de la commission d'accès aux documents administratifs. Et monsieur Collignon, qui fait l'objet de ces décisions, s'est assis lui-même deux fois sur ces décisions-là. Et donc, dans ce sens-là, il y a évidemment une contradiction entre le fait que monsieur Collignon, ex-bourgmestre, si vous préférez, s'assied sur les décisions de la CADA, et monsieur Collignon, peut-être prochain ministre des pouvoirs locaux et notamment garant de la tutelle de la transparence administrative, doit assurer cette transparence pour l'ensemble des communes. D'autant plus que ça va poser évidemment un conflit d'intérêts, puisque à un moment donné, dans le futur, si maintenant effectivement ça se confirme que M. Collignon ait les attributions qu'on lui prête, eh ben, il va devoir prendre position sur potentiellement son dossier à lui ou le dossier de la ville de Huy. Donc il y a bien un conflit d'intérêts. Et dernier élément, c'est que c'est un acte qui n'est pas bénin. Le fait de s'asseoir sur ce type de décision, c'est un acte qui est illégal. Donc dans ce sens-là, je vous rappelle que vous sortez complètement de l'ordre du jour, qui ne prévoyait pas ça. Pas du tout. On est en train de parler de terminer en l'état. Donc je termine alors brièvement et je dis que ça, c'est les raisons pour lesquelles, parce qu'il y a conflit d'intérêts et parce que finalement, il est maintenant dans une situation en fait illégale. En fait, nommer M. Collignon potentiellement comme ministre des pouvoirs locaux et comme garant de la transparence administrative, c'est un petit peu comme demander à un braconnier de devenir garde-chasse. Je vous remercie. M'arrive ce soir, je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles. Des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. De toujours, ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Une parole.